OK. Donc, deux remarques préliminaires avant de commencer. Les mots réalité, c'est parmi les mots les plus prostitués de toutes les langues. Chacun. Oui. Donc, je disais, les mots réalité est parmi les mots les plus prostitués de toutes les langues. On dit chacun sa réalité. Pourquoi ? Parce que chacun a sa représentation sous-consciente de ce que c'est la réalité. Et ceci est très dangereux, parce qu'il s'agit d'un obstacle majeur au dialogue entre les domaines de la connaissance, mais aussi entre les gens, les nations, les cultures, les religions, les spiritualités. Même sur les plans académiques, nous assistons à ce qu'on peut appeler un Big Bang disciplinaire, donc à un éclatement de la notion de réalité, parce que chaque discipline proclame sa propre réalité. Il y a des statistiques qui viennent très sérieuses, qui viennent de National Science Foundation, un registre des métiers de toutes les disciplines qui sont enseignées aux États-Unis. Il y a une analyse tout à fait semblable d'Australie et en accord. Vous voyez, en 1300, quand les premières universités étaient fondées, on avait 7 disciplines, 3 plus 4, trivium et quadrivium. En 1950, 54 disciplines, 75, 1845, 2000, 8000. Donc, bon, il y a quelques disciplines qui sont mortes entre-temps, bien sûr, mais il y a beaucoup plus qui sont nées. Donc, maintenant, en 2014, on a probablement autour de 8200 disciplines. Donc, un dialogue, même là, dans cette salle, est impossible en absence d'une méthodologie. Qu'est-ce que donc la réalité en présence de 8000 disciplines? Il faut voir aussi qu'il y a une mutation de la notion de réalité grâce à l'étude du monde physique. Et pour ça, nous devons parler d'un réalisme classique, fondé sur la physique classique, newtonienne, et réalisme quantique, fondé sur la mécanique quantique, tout d'abord, qui est née entre 1900 et 1930, et la physique quantique ensuite, qui s'est développée sous la base de la mécanique quantique ensuite. Alors, c'est quoi le réalisme classique? Vous êtes ici à l'UIP, et je ne vais pas vous donner des explications, parce que vous avez entendu certainement parler maintes fois de la physique quantique. Bon, réalisme classique est fondé sur quelques principes très beaux, très simples. La continuité, la causalité, mais pas n'importe quelle causalité, la causalité locale, le déterminisme et l'objectivité. Le réalisme quantique, qui est apparu au début du XXe siècle, donc il y a longtemps, mais on ne le sait pas, parce qu'on ne l'enseigne pas aux écoles élémentaires ou au lycée, est fondé sur exactement le contraire de ce que j'ai dit avant. En tant que réalisme, sur la discontinuité, sur la non-séparabilité, quelques mots ont été dits juste avant moi par M. Marc-Henri sur les quantons, l'entité basique, fondamentale de la physique quantique, qui est ni onde ni corpuscule. C'est ça le fameux dit dualisme, c'est et onde et corpuscule, ni onde ni corpuscule, il est ce qu'on appelle en logique un tiers inclus. Il y a l'indéterminisme, même l'espace-temps, notre espace-temps si familier, apparaît comme une construction anthropomorphe. Les grands physiciens bâtisseurs en mécanique quantique ont vu ça tout de suite, Pauli, Heisenberg, Bohr. C'est une construction anthropomorphe, l'espace physique, c'est un espace à une dimension, un espace de Hilbert abstrait. Il y a un principe fondamental de la physique quantique, le principe de superposition quantique, et oui et non.
Donc les tiers inclus est une nécessité logique de la mécanique quantique. Et merci à M. Marc-Arrigue d'avoir mentionné les bons spins. Imaginez une particule qui tourne d'un côté, c'est le spin, on ne mesure pas le spin. Bon, ça tourne à droite, disons, et ou ça tourne à gauche. En physique classique, c'est soit droite, soit gauche. En physique quantique, c'est et droite et gauche. C'est une superposition. Et pour avoir une idée, une sensation, une intuition, parce que madame, vous m'avez demandé avant mon exposé de ne pas employer des choses techniques, une image ça aide pour comprendre ces mots tiers inclus. Imaginez un cylindre. Vous les projetez sur un mur, vous obtenez quoi? Un cercle. Vous les projetez sur l'autre, vous obtenez quoi? Un carré. Imaginez des êtres bidimensionnels qui vivent sur la surface de deux murs. Ici, ils vont dire, Dieu, c'est un cercle. Ils vont se battre à mort entre eux, avec les autres, de ce côté-là, qui disent, Dieu, c'est un carré. Mais à vrai dire, c'est que des projections d'un cylindre sur deux murs. C'est ça les tiers inclus, un peu simplifié, parce que ici, je prends le cas des dimensions. C'est un peu plus complexe, mais ce n'est pas le cas d'insister ici. Et c'est traduit dans la littérature populaire, disons, des vulgarisations, par les célèbres paradoxes du chat de Schrödinger. Monsieur Schrödinger, qui était bouddhiste, aimait les chats, et il est un peu sadique, il a pensé à un chat quantique renfermé dans une boîte quantique, on lui met du poison à côté, les chats, à faim, ils mangent les poisons, ils meurent, il est un peu intelligent, il résiste, il est vivant. Alors, dans notre monde, c'est soit qu'il est mort, soit qu'il est vivant. Dans les mondes quantiques, c'est les deux à la fois. Il est mort et vivant, une probabilité qu'il soit vivant, une probabilité qu'il soit mort, la somme des probabilités égale à 100%. Bien sûr, la vision naïve dit, ben, ouvrez la boîte et vous verrez s'il est mort et vivant. Nous ne pouvons pas ouvrir une boîte quantique parce que nous ne sommes pas des objets quantiques. Nous sommes comme des galaxies par rapport à ces petits grains de poussière qui sont les particules quantiques. À cela s'ajoute quelque chose de fondamental, qui est vraiment le noyau d'or, je dirais, de la physique du XXe siècle. C'est l'incomplétude des lois physiques. C'est la chose qui a rebuté Einstein. Einstein, c'était quelqu'un qui a contribué énormément à la physique quantique. Pourtant, il a refusé la physique quantique parce qu'il disait « Dieu, le vieux, disait-il, pas Dieu, le vieux ne joue pas au dé. » Donc, il faut une incomplétude des lois physiques, quoi qu'on fasse. À cela, d'une manière la plus cristalline, si on peut dire, la plus belle, même esthétiquement belle, cela est traduit par le théorème de Gödel en 1931, il y a longtemps, qui a démontré que quoi que vous fassiez, même pour la chose la plus simple du monde, la théorie des nombres, vous prenez des axiomes, n, 1 plus 1, 1000, 1 million, vous arrivez toujours à des résultats soit indécidables, on ne sait pas si c'est oui ou c'est non, soit tout simplement contradictoire. C'est le deuxième volet de ce théorème, contradictoire, c'est-à-dire on affirme oui et non à la fois. À cela, les couronnements de tout ça, aussi, ce n'est pas très connu parce qu'on ne les dit pas souvent. Même dans les assemblées savantes comme la nôtre, le concept de matière a changé fondamentalement. L'ancien concept de matière était fondé sur l'idée matière égale substance, quelque chose qu'on pèse. Le nouveau concept de matière, c'est ce qu'on appelle un complexus. C'est un ensemble, on doit prendre à la fois substance, énergie, information, espace-temps, même espace-temps. Quatre composants de la matière en termes de transformation réciproque
les unes dans les autres. Je ne vais pas insister sur ça, ça sera une entière conférence, mais c'est quelque chose de très superbe. Et là, le génie d'Einstein a contribué énormément, surtout pour cette composante-là, dans la théorie générale de la relativité. Bien, donc, ce qui sort de ce siècle des fabuleuses sciences, la plus grande aventure de toute la science moderne, la physique quantique, c'est la notion des degrés, des matérialités. Il n'y a pas une seule matière, il n'y a pas un seul niveau. Il y a un feuilletage, il y a des degrés des matières. Et ceci se correspond maintenant, dans cette approche transdisciplinaire que je vais vous dire maintenant, je vais vous énoncer maintenant, de la réalité, avec les niveaux de réalité. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité pour un scientifique? Mais c'est quelque chose qui résiste. Si quelque chose ne résistait pas, on ne pouvait pas faire des mesures, faire des équations, faire des beaux projections PowerPoint, etc. Ça résiste. Ça résiste à quoi? À nos expériences, tout d'abord. Mais ça résiste aussi à nos représentations. On ne peut pas dire n'importe quoi en science, même comme représentation. On ne peut pas dire n'importe quoi en science comme description. Ce n'est pas arbitraire. Même les images sont contraintes. Et même les formulations mathématiques résistent. J'ai passé 40 ans de ma vie en faisant de la physique théorique des quantiques, des particules élémentaires, et dans ma assez longue vie, j'ai vu passer des dizaines de théories qui sont superbes sur le plan mathématique, qui se sont écroulées d'un jour à l'autre, parce qu'il y a eu un fait expérimental qui était contre. Ça ne se passe pas comme ça dans les sciences humaines, dans la politique ou dans l'économie, hélas. Bon. Alors, dans ces discussions-là, il faut faire la distinction entre deux mots, souvent confondus, réel et réalité. Le réel est ce qui est voilé pour toujours, point. Ce qui est, point. Il n'y a rien à ajouter. Donc, il n'est pas accessible à notre connaissance. La réalité est accessible à notre connaissance parce qu'elle résiste à notre connaissance. Donc il faut distinguer réalité et réel. Niveau de réalité, concept clé de la transdisciplinarité, veut dire un ensemble de systèmes qui est invariant, n'échange pas, invariant à l'action des lois générales, dans le cas des systèmes naturels. Pas des petites lois de détail, mais des lois générales, comme les lois newtoniennes dans le cas de la physique newtonienne, les lois quantiques, dans le cas de la physique quantique. Et dans le cas des systèmes sociaux, là il n'y a pas de formalisation mathématique, on parle d'invariance à des normes et règles générales. Les points essentiels ici, c'est la discontinuité entre deux niveaux. Donc deux niveaux, il y a beaucoup de niveaux de la littérature, niveau d'organisation, d'interprétation, etc., etc., etc. Ici, le niveau de réalité, c'est quelque chose d'ontologique qui tient de l'être, et entre deux, il y a une discontinuité, c'est-à-dire il n'y a rien entre deux, strictement rien, et même le mot rien est de trop. Ça veut dire quoi ça? C'est une discontinuité, ici vous avez d'une manière graphique, imaginons un niveau de réalité. Ici, il n'y a rien, strictement rien, même le mot rien de trop, c'est ça la discontinuité. Discontinuité entre quoi et quoi? Entre des lois. Ce n'est pas discontinuité entre les détails. Un ensemble de lois, il n'y a personne qui a réussi depuis un siècle, 1930, c'est presque un siècle, de réduire les lois quantiques aux lois classiques. Pour une simple raison, c'est qu'H-bar, la constante de Planck, n'est pas zéro. Et donc, il y a ça c'est un exemple dans le monde naturel, des discontinuités des lois. Donc, on est en présence, après un siècle des sciences fabuleuses, et aussi de biologie, bien sûr, et avec l'enseignement des sciences humaines,
en présence d'une réalité beaucoup plus belle que la réalité qui nous a été léguée par les réalistes classiques, mais qui a l'air un peu schizophrène. Si on se limite à ça, si c'est vraiment la discontinuité, ça veut dire qu'on est en présence des lois différentes, alors on fait quoi? Et pour répondre à cela, il y a toute une floraison des préfixes qui sont apparus. Je donne trois, mais il y a des centaines. Mes étudiants, je dirige aussi des doctorats en transdisciplinarité, ont identifié plus de 100 préfixes devant les mots disciplinarité pour faire face à cette prolifération de la connaissance et cette multiplication des connaissances. Mais les trois essentiels sont multidisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité, confondues entre elles d'une manière joyeuse. Bon, alors, multidisciplinarité a toujours existé, à vrai dire, de la fondation des premières universités, c'est mettre ensemble plusieurs connaissances, c'est-à-dire étudier un problème par plusieurs disciplines à la fois. Interdisciplinarité veut dire transfert des méthodes d'une discipline à une autre. Par exemple, de la physique quantique vers la médecine. Et en faisant des protons, nous arrivons à inventer des traitements du cancer. Transdisciplinarité, c'est autre chose, inventé par Jean Piaget, le grand philosophe. Enfin, les mots ont été inventés, pas la chose, mais les mots. Transdisciplinarité, en 1970, un colloque à Nice d'ailleurs, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a à la frontière entre les connaissances. Et transdisciplinarité, dans une première approximation, je vais préciser tout de suite, dans quelques minutes, de dire ce qu'il y a à la fois entre les disciplines, à travers les disciplines et au-delà de toutes disciplines. Pour avoir un peu une sensation de tout ça, imaginez des cages. Et dans ces cages, il y a des oiseaux que je n'ai pas montrés par courtoisie dans cette image. Et nous avons une belle représentation imagée de ce que c'est la multi- ou l'interdisciplinarité. Ce qui est la disciplinarité, chacun dans sa cage, très bien, très confortable, on lui donne à manger, tout ça, on a de l'argent, on a des crédits, on fait la recherche à l'infini. Ça peut être vraiment l'infini. Maintenant, certains oiseaux commencent à se dire « Mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans les autres cages. » Alors, qu'est-ce qu'il fait cet oiseau, disons, d'ici? Il convoque les autres oiseaux pour une conférence des oiseaux multidisciplinaire. Et il s'intéresse à l'histoire de la cage, des cages, l'évolution, l'histoire, etc. Après la conférence, tout le monde se retire dans sa cage. Mais ce qui est servi, c'est cette cage-là, la discipline respective, parce qu'on lui a amené un plus de connaissances, et toujours un plus de connaissances. L'interdisciplinarité dans cette image, c'est un peu différent. Et imaginez, je ne sais pas, par exemple, un oiseau dans cette cage-là, qui est un peu mécontent, parce qu'il dit, mais... cette cage à côté, est plus belle que la mienne. Alors, il demande au propriétaire de la cage de déplacer certains barreaux, d'ajuster certaines choses, de faire un transfert d'une cage à l'autre. Alors, une image d'interdisciplinarité, on transfère des choses. Alors, c'est quoi trans? Mais vous l'avez sur l'image d'ici. Vous ouvrez les portes des cages, et vous laissez les oiseaux aller vers les milieux naturels et oubliés, parce qu'on s'habitue dans la vie à la cage, dans la cage, dans les ciels. Voir les mondes tels qu'il y a dans son ensemble. Ensuite, certains oiseaux vont retourner dans leur cage, très bien, et dans leur cage, ils vont amener la mémoire de cette réalité une qu'ils ont vue. Alors, quel est le but de la transdisciplinarité? C'est de comprendre le monde présent. Quelle est la finalité ancienne? Depuis quand l'homme et homme a voulu comprendre l'unité de la connaissance. Mais ici, aujourd'hui, cette unité de connaissance en présence de plus 8000 disciplines. Ce qui a l'air un peu
contradictoire. Et on verra comment on s'en sort de ça. Ce n'est pas une connaissance encyclopédique. L'ère de l'encyclopédie est finie. Ce qui est important maintenant, c'est les liens, les ponts. C'est une ère des pontifes. Et j'ai mis ici dignité de l'être humain, c'est comprendre le monde. Pourquoi j'ai mis dignité? Mais quel qu'il soit le créateur ou les créateurs de ce monde, si lui ou elle ou il ont créé l'être humain par amour, il lui a donné quand même la possibilité de comprendre ce monde, sinon c'est un esclave. Donc connaître ce monde, c'est une question de dignité humaine. Donc la transdisciplinarité est une étude d'interaction entre l'objet et les sujets, en des termes un peu plus philosophiques, et c'est une nouvelle connaissance. Alors, tout, au long des années, j'ai élaboré, et beaucoup d'autres ont contribué, à l'élaboration de la méthodologie, les logos des méthodes, pas les méthodes, les logos des méthodes, l'art et les sciences des méthodes de la transdisciplinarité. En sciences, nous avons déjà une méthodologie, c'est la méthodologie galiléenne, mais en transdisciplinarité, ça serait absurde d'appliquer la méthodologie galiléenne, ça serait bon pour les scientifiques. On ne peut pas formaliser mathématiquement l'être humain. Donc, il faut un autre langage, et c'est là que c'est finalement, au bout des comptes, je suis arrivé à trois axiomes, axiome ontologique, qui tient de l'être, axiome logique, qui tient de la logique, axiome épistémologique, qui tient de la connaissance. Et ces trois axiomes ensemble, que je vais vous décrire très rapidement, vont donner une définition rigoureuse de la transdisciplinarité. Alors, quel est l'axiome ontologique qui nous dit que dans la nature et dans la connaissance et de la société, connaissance de la nature et de la société, il y a des niveaux différents des réalités de l'objet, niveaux différents des réalités du sujet. Alors, ici, vous avez du côté gauche les lignes que j'ai dessinées d'une manière schématique, c'est-à-dire en décrivant l'ensemble des lois en discontinuité. Et là, j'ai mis une ellipse. Cette ellipse-là veut dire la cohérence entre tous ces niveaux. Et là, je me permets d'être en désaccord avec le président de l'UIP qui a dit tout à l'heure que, par exemple, les principes anthropiques ont un contenu nul. Ce n'est pas vrai. C'est un principe scientifique, entre autres. Mais je cite... Disait, Jean-François Luc, certaines personnes... Ah, voilà. Alors, je retire ce que j'ai dit. C'est certaines personnes se trompent qui disent cela parce que dans les principes anthropiques, il y a un contenu scientifique. C'est la cohérence du monde. Et ça, c'est prouvé. Ce n'est pas métaphysique, ce n'est pas philosophique. On sait, par exemple, que si on bouge un tout petit peu les constantes qui sont au début du Big Bang, début entre guillemets, du Big Bang, qui était juste une sorte de soupe cosmique quantique, d'une température infernale, si on bouge un tout petit peu, mais hélas, il n'y aura plus ni de galaxies, ni de planètes, ni de messieurs et mesdames très intelligents qui sont là pour écouter des choses intéressantes. Si les constantes étaient un tout petit peu... Ça, c'est scientifique. La seule chose qu'on ne connaît pas en science, c'est quel est le rôle de l'être humain. Bon, alors, donc, des niveaux de réalité du sujet et cette zone de non-résistance, la discontinuité, c'est une zone de non-résistance à nos mesures, à nos expériences, à nos représentations, mais où il y a cette cohérence qui traverse ces zones de non-résistance et les zones de résistance. Donc c'est un monde un peu plus digne, je dirais, de l'être humain, où ceux qui résistent et ceux qui ne résistent pas sont ensemble. Exemple,
Mais dans les systèmes naturels, les niveaux quantiques, les niveaux macrophysiques, les niveaux des cyberespace-temps, c'est un niveau très spécial. Et peut-être, ce n'est pas encore clair, les niveaux des supercordes qui apparaissent dans la physique des pointes actuellement. Enfin, actuellement, depuis quelques décennies. Dans les systèmes sociaux, on peut identifier, en sachant la définition des niveaux, les niveaux individuels. Je crois que si vous réfléchissez une seconde, vous sentez très bien que votre niveau individuel d'existence n'a strictement rien à voir avec les niveaux, par exemple, géographiques ou les niveaux communautaires, historiques, familiaux. C'est en relation, bien entendu, mais souvent c'est en conflit avec la société, avec les lois sociales, avec les normes. Les niveaux communautaires, cyberespace-temps, les niveaux planétaires, on peut parler des niveaux cosmiques. Je vais revenir juste à la fin de mon exposé sur les niveaux cosmiques à propos de l'anthropocène. Alors, niveau de réalité du sujet, avec sa zone complémentaire de non-résistance, ça c'est un grand monsieur qui s'appelle Edmund Husserl, qui a parlé de ça il y a longtemps. Il a parlé des niveaux de réalité du sujet. C'était le maître de Heidegger, c'était un mathématicien de formation, et donc des niveaux de réalité du sujet et la zone complémentaire des non-résistances. Maintenant, on doit les mettre ensemble pour parler de la réalité, parce qu'il n'y a pas de réalité si les sujets ne communiquent pas avec l'objet. Et là, du côté gauche, donc on les met ensemble, et pas pour faire délirer, pour ne pas faire délirer, j'ai mis juste un point X, qui n'est ni le Saint-Esprit, ni Dieu, ni personne, c'est un point X qui communique entre le sujet et l'objet pour qu'il y ait transmission de l'information. Autrement, il n'y a pas de connaissance. Et vous voyez que j'ai mis ici, au milieu, les cultures, les spiritualités, les religions. Pourquoi ? Pour la chose évidente que toute culture, toute religion, toute spiritualité a une zone de non-résistance. Elle a ici une zone de résistance. La religion chrétienne a été fondée par quelqu'un à un temps donné. Ça, c'est de la résistance. Mais c'est une non-résistance parce qu'elle était en même temps homme et Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est les sommaires graphiques ici de ce qu'on peut appeler réalité en 2014 et pas il y a un siècle ou quelques siècles. Si vous collapsez tout ça à un seul niveau, ici, ça va collapser à un seul niveau. Tout ce qui est là, X, ces boucles, tout ça, disparaissent. Vous obtenez la vision de la modernité. Sujet, objet, rien entre les deux. Et on domine l'objet, le monde, la nature. Alors, ce tiers qui est entre le sujet et l'objet, qui n'existe pas dans la métaphysique académique, ça existe par bribes chez Heidegger, chez d'autres, je n'ai pas cité toutes les références, mais les tiers, un tiers caché, caché à quoi? Mais caché à nos formalisations, si on veut les formaliser, caché à nos théories, caché à nos discours, mais il n'est pas caché à notre vie. Bien. Donc, la notion de niveau de réalité est la notion centrale de la transdisciplinarité. Les niveaux de réalité sont des véritables cosmos interconnectés. Et ce qui est important de réaliser, c'est que ces niveaux de réalité ne sont pas des stades dans l'évolution du monde, mais des strates toujours présents. Donc, c'est le tiers caché qui assure la cohérence de l'ensemble des niveaux de réalité par leur interaction perpétuelle. Ce tiers caché dans sa relation avec les niveaux de réalité est fondamental pour comprendre ce unus mundus transdisciplinaire. La réalité est une, mais elle est à la fois unique et multiple. C'est là que la logique nouvelle est capitale, parce que est unique et multiple.
Si on se limite en tiers caché, l'unité est non différenciée, symétrique, elle se situe dans le non-temps, c'est le monde des théologies dogmatiques, des religions, etc. Si on se limite au niveau de réalité, à la science, disons, classique, telle que c'était avant, il n'y a que des différences, des dissymétries situées dans le temps. Donc cette considération simultanée des niveaux de réalité et du tiers caché introduit une brisure de la symétrie de ce unus mundus. C'est pour ça qu'il n'est pas que un, il est multiple. Quoi ? Par le temps. Le temps a un sens ici cosmique. En fait, ces niveaux de réalité sont précisément engendrés par cette brisure de symétrie introduite par le temps. Alors, comment on peut passer d'un niveau à l'autre ? Mais ça, c'est lié à une logique non classique, parce que c'est bien évident que si on met des choses ensemble, de l'économie, de l'histoire, de la physique quantique, de la biologie, mais on a des contradictions très vite. A, non A. Donc il faut une autre logique. Et la logique candidate, la meilleure, qui c'est pour ce genre de choses, c'est la logique du tiers inclus, qui affirme qu'il y a un troisième terme qui est à la fois A et non A, une chose et son contraire. Affirmation évidemment absurde s'il y a un seul niveau de réalité, mais d'une clarté éclatante, je l'espère pour vous et pour moi. Ici dans la figure, vous voyez, vous avez des contradictoires, mais vous avez un tiers qui unifie les contradictoires, mais il doit être sur un autre niveau de réalité. Donc les contradictoires apparaissent, à vrai dire, comme des projections. C'est souvent lié à une traduction. Bien. Je vous ai déjà montré cette figure qui vous aide pour les tiers inclus. L'axiome épistémologique dit que la structure de l'ensemble des niveaux de réalité est une structure complexe. Et vous pouvez prendre ici, nous sommes en France, l'essence de la complexité tel qu'il est dans l'œuvre de mon ami Edgar Morin, qui est tout à fait compatible avec tout ce que je dis ici. Donc chaque niveau est ce qu'il est, parce que tous les autres niveaux existent à la fois. C'est pour ça que j'insiste dans mes livres et dans mes conférences sur cette idée de considérer ensemble. Autrement, on ne va pas trouver des solutions. On va trouver des solutions temporaires. C'est à ce moment-là, je crois, c'est le moment important pour relier aussi par certaines choses qui ont été dites ici, quelques petites considérations sur réduction et réductionnisme. Il faut distinguer les mots réduction et les mots réductionnisme. Ce n'est pas la même chose. Réduction veut dire, dans le sens scientifique du mot, qu'on réduit A à B, B à C, C à D, jusqu'au moment qu'on arrive à ce qu'on considère être le niveau le plus fondamental. C'est un processus naturel de la pensée, et strictement nécessaire pour la pensée scientifique, autrement il n'y a pas de science s'il n'y a pas de réduction. Mais les réductionner, c'est complètement autre chose, et là, il faut faire attention aux mots, parce que si on n'a pas la rigueur dans des mots, on peut introduire tout genre de confusion. Je distingue entre monoréductionnisme. C'est quoi le monoréductionnisme ? C'est tout d'abord le réductionnisme scientifique, qui est quelque chose de très différent de la réduction et qui signifie l'explication des processus spirituels en termes de processus psychiques, des psychiques par les processus biologiques, les biologiques par les processus physiques. C'est le dogme qui est très courant dans certains milieux, surtout en France. En d'autres mots, on réduit la spiritualité à la matérialité. Ceci, il faut voir que c'est une idéologie, ce n'est pas la science. Il y a un autre type de réductionnisme, aussi de type idéologique, à vrai dire, qui s'appelle le réductionnisme philosophique, qui est exactement l'opposé du réductionnisme scientifique, qui dit
Il faut tout réduire, en partant de la spiritualité, un principe divin par exemple, tout réduire, réduire la matérialité à la spiritualité. Il y a des formes un peu plus sophistiquées. Oh, 10 minutes, c'est énorme. Parce que le temps n'existe pas dans la physique quantique. Multiréductionnisme, tu m'as dit d'ailleurs 45 minutes. Oui, j'ai compté. Multiréductionnisme, qui est ce qu'on appelle l'approche dualiste, très courante aussi en France, où il dit matérialité et spiritualité sont radicalement distinctes. Ça, c'est multiréductionnisme. Il y a l'antiréductionnisme, des courants très forts d'ailleurs, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, par des mots comme holisme, qui signifie que tout est plus que la somme de ses parties, émergentisme, qui signifie que des nouvelles structures, comportements, priorités sont engendrées par des interactions relativement simples, qui engendrent à leur tour des complexités croissantes. Mais la difficulté du holisme et de l'émergentisme, malgré leur attrait sympathique d'anti-réductionnisme, c'est qu'ils doivent expliquer, sans donner des arguments ad hoc, ce que c'est vraiment la nouveauté. Comment une nouveauté apparaît dans la nature? Comment une nouveauté apparaît dans la vie spirituelle? Comment une nouveauté apparaît dans l'esthétique, etc. Donc, la notion de niveau de réalité est cruciale pour réconcilier la réduction, qui est strictement nécessaire pour la démarche scientifique, et l'anti-réductionnisme, qui est nécessaire lui aussi pour l'étude des systèmes complexes. J'appelle ça le transréductionnisme. Donc, la personne humaine apparaît comme une interface entre les mondes, un être humain unidimensionnel, réduit à ses cellules, neurones, quarks, particules élémentaires. Vous l'avez reconnu, je ne dis pas les noms, l'homme neuronal. Bon, alors, la notion transdisciplinaire d'un niveau de réalité est incompatible avec la réduction du niveau spirituel au niveau psychique, du niveau psychique au niveau biologique, du niveau biologique au niveau physique, mais ils sont interreliés par les tiers cachés. Dans les trois matières, un livre fondamental du philosophe Stéphane Lupasco, il dit, je le cite, « La matière ne sert pas de l'inanimé pour s'élever par le biologique de complexité en complexité jusqu'au psychique et même au-delà. Ces trois aspects coexistent, constituent trois orientations divergentes dont l'une du type microphysique n'est pas la synthèse des deux, mais plutôt leur lutte, leur conflit inhibiteur. » Autrement dit, il y a dans ces beaux livres, les plus célèbres de Lupasco, les trois matières, la conclusion que toute manifestation, tout système, comporte un triple aspect, macrophysique, biologique et quantique. Quantique veut dire ici microphysique et ou psychique. C'est une conclusion de sa logique, de sa philosophie, qui est certainement étonnante, riche de multiples conséquences. En conclusion, la réalité est plastique. La réalité dépend de nous. Nous sommes partie intégrante du mouvement de réalité. Notre liberté consiste à entrer harmonieusement dans ces mouvements vivants ou les perturber. Par quoi ? Par notre volonté de pouvoir et de domination. Notre responsabilité est de bâtir un avenir soutenable en accord avec les mouvements globaux de la réalité. Et les conséquences sur le plan éthique d'une telle vision de la réalité sont considérables dans le contexte de l'anthropocène. Qui ici dans les salles ont entendu les mots anthropocène jusqu'à présent? Lever la main. Bon, c'est pas mal. Bon, alors, l'anthropocène veut dire une nouvelle ère biologique, où tout simplement l'homme change complètement les conditions cosmiques qui existaient depuis le début du monde. Et donc c'est une nouvelle ère où la distinction entre nature et culture, c'est fini. La culture intervient dans la nature, réciproquement. Alors, et pour la première fois dans l'existence, notre existence,
comme espèce humaine, il y a une menace réelle de disparition de l'espèce humaine. Et je vais citer, pour pas que je sois une grande compétence dans ce domaine, qui est un grand climatologue australien, qui s'appelle Clive Hamilton, qui a écrit un merveilleux livre, tout petit, ça se lit très bien, il y a beaucoup de données dedans, mais ça se lit facilement, Requiem pour l'espèce humaine, faire face à la réalité du changement climatique, paru en 2013. Vous avez ici la couverture du livre. Qu'est-ce qu'il dit, Clive Hamilton? Je cite juste quelques mots pour finir avec ces considérations. Il dit, il est difficile d'accepter l'idée que les êtres humains puissent changer la composition de l'atmosphère terrestre au point de compromettre leur propre civilisation, voire l'existence de leur espèce. Si on laisse faire, les scénarios de l'évolution climatique conduiront à une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres à l'échelle du siècle, avec des conséquences désastreuses. Les scientifiques qui étudient la glace des mers arctiques ont été frappés par les rythmes accélérés de sa fonte et beaucoup parmi eux croient que la fonte sera totale d'ici une décennie ou deux. Dans les livres, ils donnent toutes les références, toutes les données pour ça. Ils continuent. À moins d'être compensés par un autre mécanisme, le réchauffement amplifié par les rétroactions positives provoquera au cours des prochains siècles et peut-être bien plus tôt la fonte de toute la glace de la planète, entraînant une augmentation du niveau des mers d'environ 70 mètres. Certaines espèces s'imposeront, y compris des animaux domestiques retournés à la vie sauvage, et des plantes non cultivées, tandis que d'autres disparaîtront. La perspective d'un changement climatique, et c'est les mots de la fin sur lesquels je suis tout à fait en accord avec lui, je le dirai dans la dernière diapo, la perspective d'un changement climatique incontrôlé fait vaciller notre confiance démesurée dans notre maîtrise technique, nos certitudes héritées des Lumières et l'ensemble du mot moderniste. À mon sens, ce n'est pas la technologie qui va sauver notre espèce. C'est la technologie qui a tout perturbé, une technologie délirante sans aucune finalité, sans aucune finalité humaine. Donc ce n'est pas la technologie qui va sauver notre espèce, mais un changement radical de la vision de la réalité. Le vivant est un, unique et multiple à la fois. Donc pour moi, en revenant au titre de ce colloque, les nouvelles logiques du vivant veut dire, à mon sens, aussi la prise en compte simultanée de tous les niveaux de réalité et aussi du tiers caché. Bibliographie, je suis obligé de donner mes livres, Nous, la particule et le monde, en troisième édition, paru à Bruxelles en 2012, Qu'est-ce que la réalité, paru à Montréal en 2009, et un livre qui vient de sortir aux États-Unis, je me suis amusé à l'écrire directement en anglais, Science, Spirituality and Society, From Modernity to Cosmodernity, à Sony Press. Merci.